oceans, hello again. As every ocean comes rain, I know my circles. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc j'ai posté une vidéo hier, ça faisait un moment que j'avais pas posté. Pour ceux qui savent, la vidéo elle voulait vraiment pas se poster. Ça faisait un moment que j'essayais de la mettre et franchement ça ne voulait pas. Il y a eu un droit d'auteur et je sais pas, et après j'ai plus réussi à la poster. Donc pour ceux qui me suivent sur Snap et Insta, vous savez que j'ai grave galéré pour la vidéo. Mais Dieu merci, j'ai réussi à la mettre parce que franchement j'aime bien cette vidéo, elle est super sympa où je vous montre des produits, tout ça. Voilà, après j'ai plus filmé de vidéo, pourquoi? Parce que voilà, j'avais attrapé un truc à l'œil. Pendant fin soirée Noël, ouais c'était vers la soirée de Noël, enfin la soirée de Noël vers quelques jours après Noël en fait. J'ai commencé à attraper un truc à l'œil, genre ça me grattait, tout ça, c'était rouge. Bref, j'en pouvais plus, donc c'est pour ça que j'ai plus filmé de vidéo. Je pouvais plus maquiller l'œil. Je suis passée d'abord par la pharmacie, ensuite par le médecin, enfin voilà, tout un protocole. J'ai eu plein de crèmes, j'ai acheté 2-3 crèmes qu'il faut que je vous montre, qui sont vraiment très bien. Un nouveau démaquillant aussi qui est très bien pour les yeux sensibles comme moi. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Donc il n'y a que là aujourd'hui où je me remaquille les yeux. Donc ça fait un bon moment, je crois 2 semaines que je ne me suis pas maquillée mes yeux, ni fond de teint, ni rien. Pendant une bonne semaine, j'ai mis le traitement pour mes yeux. Et voilà, comme vous avez vu, je mettais des lunettes et tout. Franchement, j'ai trop kiffé de mettre les lunettes, ça faisait grave star. Donc voilà, très Paris Hilton, franchement j'aimais trop. Et du coup voilà, donc il n'y a que là comme je vous ai dit que je remaquille mes yeux, que je remets les lentilles aussi parce que je ne mettais plus les lentilles. Fallait vraiment que je laisse reposer mon œil. Donc voilà, là je suis de retour, normalement je devrais continuer à poster des vidéos, tout ça, tout ça. Et voilà, voilà, sinon voilà, j'espère que vous allez bien, moi à part ça je vais très bien, Mila va bien aussi. Pas d'école en ce moment pour Mila, donc elle reste avec moi, donc dû au Covid, tout ça, il faut que je la teste. Et voilà, voilà. Aussi, je voulais vous dire bonne année, bonne santé pour cette nouvelle année 2022 parce que j'ai pas eu le temps de vous le dire. J'espère que des bonnes choses pour vous ainsi que pour moi. Que je fasse plus de vidéos, que je quitte pas le mood YouTube. Voilà, quoi, que des bonnes choses. Et voilà, voilà. Donc là, je vais vous montrer. Non, pas je vais vous montrer. Enfin, hier, j'ai fait les soldes. J'ai fait des bêtes de soldes, notamment à Victoria's Secret. Vous savez, c'est mon magasin. Genre, j'aime trop. Jusqu'à, je regarde des défilés constamment et tout le soir, vous avez vu. J'aime trop ça. Donc, il y avait des bêtes de choses qu'il faut que je vous montre assez rapidement. Parce que voilà, je dois sortir pour encore faire les soldes. Donc, je l'avais dit sur Snap. Pour celles qui ne m'ajoutent pas, je vous invite à m'ajouter pour suivre bah, voilà, mon quotidien. Voilà, je suis passée à Zara aussi, mais laissez tomber la queue, c'était incroyable. Il y avait aussi des trucs chum aussi, je ne comprends pas d'où ça sort. Donc j'ai pris quelques petites choses, mais voilà, c'était pas extraordinaire. Et aussi j'ai pris des choses pour Mila, donc pour Mila j'ai fait une grande commande sur le site H&M, il y avait des bonnes choses aussi. Et aussi je suis partie en live pour lui prendre des... Voilà quoi, la caméra elle m'éclate le bras. Pourtant j'ai le truc pour tenir mais non. Et voilà, voilà. J'ai aussi acheté des bijoux à Lovisa. J'espère que je le prononce bien parce que toujours je confonds entre Lovina et Lovisa. Donc notamment celles que je porte aujourd'hui. Elles sont trop jolies. Donc voilà, je pense que cette vidéo sera dédiée aux soldes. Voilà, je vais vous emmener avec moi parce que voilà je dois sortir. Et voilà, donc comme ce haut par exemple, il vient de chez Zara, il est trop beau parce qu'en fait moi les magasins c'est pas trop mon style ici, je trouve toujours 2-3 petites choses par exemple à Zara, tout ça, donc ce haut il vient de chez Zara et il est juste trop beau. Mais il ne se met pas comme ça, il se ferme jusqu'en haut, mais moi voilà j'ai besoin d'avoir un joli décolleté, tout ça comme ça, donc voilà j'ai ouvert les trois premiers boutons du haut et franchement je trouve ça trop beau quoi, j'aime trop, donc voilà, j'achète plus sur les misguided, tout ça. Donc voilà, il y a plus mon style. Là, je vais arrêter de parler parce que voilà, je dois vous montrer plein de choses, des crèmes, etc. Mais si je le fais maintenant, il n'y aura plus de lumière, tout ça. Donc je préfère sortir, vous emmener avec moi donc dans les magasins. Et après, quand je rentre,
vous montrer tous les produits, tous les achats. C'est beaucoup mieux comme ça parce que franchement, sinon je vais tarder et ça va être trop chiant. Donc voilà, c'est beaucoup mieux. Donc faut que je regarde quand va passer mon Uber sur l'application. Donc voilà ma petite tenue, mon haut Zara qui est juste trop beau avec mon collier Lovisa. Là je suis avec mon jogging, donc en fait ce qu'il faut savoir c'est mon jogging YouTube. Genre je le mets quand je fais YouTube, genre comme un chiffon, alors que c'est pas un chiffon, il est juste trop beau, c'est un Pretty Little Thing. Il faut que je le rachète d'ailleurs. Que je le prenne en gris aussi parce que je vous jure, ils sont trop beaux, ils sont bien, ils sont confortables. Je les aime trop. Et du coup, voilà. Donc voilà les filles, j'ai fait un super bon brushing. Là, je vais m'habiller. Donc, enfin, je garde le haut, je vais juste changer le bas. Donc, je vais mettre un jogging Victoria's Secret. Là, je porte un Tufsu, n'importe quoi. Je porte un Tufsu Victoria's Secret. Donc voilà, moi, je fais pas les choses à moitié. C'est tout Victoria's Secret. Toute ma lingerie, elle vient de chez Victoria's Secret. Et je m'habille comme ça aujourd'hui, Victoria's Secret, pour partir à Victoria's Secret. Donc voilà, c'est tout Victoria's Secret. Je devrais à la limite être égérie de la marque, mais non, j'abuse un peu trop. J'ai n'importe quoi, mais franchement, ça serait un rêve, quoi. Qui voudrait pas être une Angel de Victoria's Secret, quoi, hein. Donc voilà, c'est vraiment ma marque préférée. Si vous voulez me faire un cadeau, allez chez Victoria's Secret. Et voilà, voilou, hein. Je pense que ce sera tout. Je vous fais des bisous et je vous dis donc à tout à l'heure. Bon, bah voilà, je vous reprends chez Victoria's Secret. Donc, j'ai encore trouvé des trucs. J'ai trouvé deux sweatshirts encore donc chez Pink. Il faut que je vous montre. Donc, des pantoufles ainsi qu'un pyjama Victoria's Secret. Trop beau comme ça. Voilà, j'ai tout. Il manque encore juste la bagagerie, la valise, etc. Et voilà, bah, de toute façon, ça, il n'y en a pas ici. Je suis trop contente d'avoir pris mes articles. Trop joli léopard aussi, j'aime trop. Voilà, trop canon. Et comme je vous ai dit, le jogging il vient d'ici. Il est juste trop beau, vraiment. J'adore. Et après, il bah, faut que j'aille à Zara et H&M, faut que je me dépêche. Voilà, j'ai pris, je suis trop contente. Je vous jure que je suis restée 1000 ans là-bas. Alors que j'ai l'habitude d'y aller et tout, mais j'aime trop, genre c'est mon petit monde à moi et tout, j'aime trop. Zara, donc je suis en train de regarder les pièces qu'ils ont. J'ai trouvé cette robe, elle est belle. C'est pas mal. Très 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 jolie, 49 euros et là elle a 29,99.
là des fois on a du plein dur. Je vais voir s'il n'y a pas des petites choses. Moi c'est la nouvelle collection. Moi j'ai pris des chemises à Zara super jolies. Et du coup voilà, puis une bière, je vais regarder ce qu'il y a quoi. Non, il n'y a pas grand chose. Ça c'est pas mal la chemise. J'ai pris une chemise à peu près comme ça, Zara. Putain, mais j'espère que je ne zoome pas trop. Celle-ci, 12 euros, elle est jolie. Mon petit passage à Micromania. Pour voir s'il n'y a pas des petits jeux en solde et tout. Trop mignon les Tum Tum. Tu te souviens? Trop trop chou. Oh là là, on venait tous les jours. Bon, bah voilà, je viens de sortir de Micromania. Moi j'ai déjà fait les soldes hier, donc là c'était vraiment du de spi pour voir ce qui restait quoi. Donc Victoria's Secret Easy avec Zara. Donc là je vous emmène à Bershka pour aller voir ce qu'il y a. Et voilà, faut pas que je loupe ma séance de cinéma. Enfin si, je l'ai loupé en fait, il y en avait une à 19h et là je vais prendre la plus tard qui existe. Elle est à quelle heure déjà? 21h, donc j'ai pris vraiment la plus tard pour faire mes soldes. Donc voilà. C'est trop mignon. Oh là là, moi Mila, les chaussons, elle les met pas, je vous jure, à chaque fois elle les jette, elle a des claquettes, elle a des chaussons. Mais non, ça finit toujours pieds nus. Oh là là, que c'est mignon ça. C'est quelle taille? C'est quelle taille? Moi tout de suite. 26-27, non. Mais là, c'est au moins 31. C'est trop mignon ça. Oh là là, les petits doudous pour filles. T'aimes pas ça pour la... C'est toujours mieux le rayon pas soldé. Hein. Santo Dios. Voilà, Nyx, j'ai trouvé quelques petits trucs. Un mascara en solde ainsi qu'une poudre en solde aussi pour repoudrer de spi. Et voilà, j'ai pas trouvé le eyeliner ainsi que le gel à sourcils. Peut-être que je vais trouver à Sephora. Voilà, on verra bien. Voilà mes petites soldes. Entre aujourd'hui, hier et avant-hier, en fait, voilà, depuis que le début des soldes ont commencé, je suis comme une folle. Donc voilà, là, il y a deux petites chemises, Victoria, Wally Wallou, Nyx Latin, il est à moins 50, donc trop contente. Habituellement, je l'achète sur le site. Et là, je l'ai trouvé comme ça, par hasard. Donc, je suis trop contente. Let's go. Donc par Zara, donc j'ai pris ces deux chemises. Voilà des chemises longues, super belles. Voilà, donc celle-ci je l'ai pris en M. Donc c'est vraiment les chemises, voilà, longues, trop trop belles. Donc j'ai pris une bleue et une à carreaux comme ça, noire, j'avais pas. Aussi j'ai trouvé ce t-shirt Bambi, donc j'adore. Je crois qu'il coûtait 15,99€ et je l'ai eu à 9€, donc je l'ai pris en S, qui est trop 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 joli. Donc je l'ai essayé, là il est à l'envers, mais bon, voilà, il est comme ça. Parfait pour tous les jours, pour être avec un petit jogging ou quoi. Et les chemises, c'est pas bien montré. Voilà, c'est comme ça. Très, très Just Dance. J'aime beaucoup. J'ai pris aussi ce pull.
Donc c'est celui que je portais hier dans la vidéo. Donc c'était pour vous montrer aussi que je l'ai eu en solde. Voilà, il est juste trop beau. Coup de cœur de ouf pour ce haut. Aussi, j'ai pris ces belles chemises. Donc j'en ai pris deux encore. Nude. Très très belle. Donc elle est transparente. Donc à mettre avec un soutif beige ou un débardeur beige. Je l'ai pris en M, il n'y avait que ça. Donc voilà, elle est juste trop 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 jolie. Une chemise comme ça qui fait très lin. Je pense pas que c'est du lin, bah non. Sinon ça coûterait pas ce prix là. Donc avec des poches comme ça, les boutons aussi, j'aime beaucoup. Ils sont très beaux. Et voilà, avec les poches, tout ça, elle aussi elle est longue. Voilà, mi-fesse, très bien. Que ça soit pour l'été ou pour maintenant avec des bottes. Et un collant transparent. Donc voilà pour les soldes Zara. Franchement, c'est tout ce que j'ai trouvé de potable pour moi. Après, c'était trop bariolé ou trop... Aïe, mon doigt. Ou trop simple, enfin voilà. Et j'avais aussi pris ce pull. Non, ça c'est pas soldé. Non, ça c'était pas soldé, donc vous l'avez vu. Il est juste trop trop beau comme ça, avec le nœud. Trop trop beau. Je suis là, écoutez, je crois 40 euros, il me semble. Et c'était pas soldé. Ensuite, chez MAC, j'ai pris cette brume hydratante. Et le fond de teint qui était... en solde, celui-ci, moins 50. Et c'est vraiment mon fond de teint. Et j'ai pris aussi un eyeliner. Ensuite, j'ai acheté ça chez NYX. Donc, la poudre, elle n'était pas soldée. Et j'ai pris ce mascara. Donc, il était à moins 20, je crois. Donc, je l'ai testé ce matin. Et franchement, il est pas mal. Il relève bien les... Alors, avant de vous faire Victoria's Secret, je voulais vous montrer donc ce que j'ai pris à Pimkie. Donc, j'ai pris que deux hauts, hein, il me semble. Donc voilà, un super haut comme ça, une brassière. Avec, c'était moins 40, hein. Et ça c'était moins 50, voilà. Super beau, donc un haut noir, simple, court. Trop, trop beau. Et du coup, bah, pour Victoria's Secret, j'ai pris donc ce Vanity. Donc j'ai pris deux Vanity. Donc voilà, super beau avec les trousses dedans. Donc ça, je l'ai eu à moins 50. Voilà, donc elle coûtait 60 euros. Aussi celle-là qui est juste trop trop belle en dentelle. Donc là il n'y a qu'une seule pochette. Elle est juste trop magnifique. Donc trop bien pour ranger ses bijoux, etc. Aussi cette trousse, mais elle n'était pas soldée. Donc voilà, c'était 20 euros. Elle est juste trop belle. Donc j'ai des achats pas soldés aussi. J'ai pris ça pour le passeport. J'ai pris ce pyjama. Qui est trop beau, mais il fait t-shirt en fait, il fait pas pyjama, donc je le mettrai pas en pyjama, je le mettrai en t-shirt avec un collant et des bottes super beaux, ou même pour l'été. J'ai pris ce jogging magnifique, ainsi que deux pulls Victoria's Secret avec ce jogging trop beau. Il te va bien? Ouais. Bah trop bien. Donc ça c'est une pépite, donc un bustier qui coûtait je crois 100 balles. Et je l'ai eu à moins 50. Donc franchement, trop trop bien. Je suis trop contente. Il est juste trop beau. Et aussi, ces soutiens-gorge que j'ai eu. Voilà. Donc ça, c'était pas soldé. Le rose, là, il n'était pas soldé. Le vert non plus. Ou peut-être le vert, je sais plus. Et brassière. Qui est juste magnifique. Moi, vous savez, j'adore les brassières. Trop beau soutif. Enfin, voilà. Franchement, une dinguerie Victoria's Secret. Et je compte encore y retourner, limite. Donc, je sais pas. J'attends de voir s'il y a des trucs. De toute façon, il n'y a plus rien. Aussi, une brume. J'ai acheté une brume violette, mais je l'ai ouverte. Donc, voilà. J'ai oublié aussi un autre jogging. Donc, en fait, de base, il coûtait, je crois, 80,70 € les joggings. Hein, c'est un truc de fou. Donc, trop beau. Et celui-là, bah, je vous l'ai montré. Et je vous montrerai donc les achats pour Mila juste après. Tout ce que j'ai pris pour Mila. Donc il y a du H&M et du H&M. Ouais. Voilà pour les soldes Victoria's Secret. Sachant que j'achète tout le temps chez eux. Enfin voilà, vous me voyez souvent chez eux.
dans mes stories. Et voilà, donc aussi, je vous remontre, je sais pas si vous avez bien vu, mais mon 1 avec un stylo. Donc ça vient de chez Emma. Et mon agenda. Voilà. Franchement, j'aime trop pour écrire tout ce que j'ai besoin, mes rendez-vous, etc. etc. C'est trop bien. Donc voilà.